Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand tirage de l'été. J'ai l'habitude de faire les tirages avec les signes astrologiques et les ascendants pour les grandes périodes. Cette fois, j'ai eu envie d'utiliser la numérologie puisque c'est l'une de mes passions depuis plusieurs années. Alors, comment nous allons procéder? Eh bien, nous allons prendre comme grande ligne votre chemin de vie que vous pouvez calculer en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance et en le réduisant à un chiffre entre 1 et 9. Et pour donner des précisions, nous allons prendre votre vibration personnelle. La vibration personnelle, c'est l'addition de tous les chiffres de votre prénom. Alors, pour connaître les chiffres de votre prénom, eh bien, vous vous reportez au tableau que vous trouverez dans la description de la vidéo. Sinon, vous faites une pause sur l'image que vous voyez maintenant afin de calculer donc votre propre vibration personnelle. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux personnes qui ont un chemin de vie en 8, c'est-à-dire que la somme de tous les chiffres de votre date de naissance réduit entre 1 et 9 vous donne comme résultat le chiffre 8. Nous allons donc voir le domaine personnel, familial, social, professionnel et sentimental et nous essaierons d'apporter une précision pour chacun de ces domaines à l'aide des vibrations personnelles. Donc si votre chemin de vie est en 8, eh bien au niveau personnel, nous avons la carte du 9, des deniers inversés. Donc le niveau personnel, c'est vraiment votre intérieur, votre évolution intérieure, ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous risquez de ressentir. Alors avec cette carte du 9 des deniers inversés, on peut déjà dire que vous n'allez pas vous faire confiance en vous-même. Vous allez peut-être avoir une baisse d'estime de vous-même ou avoir aussi cette impression que vos objectifs sont tous lointains, que vous avez du mal à aller jusqu'au bout, en fait que vous n'en voyez pas le bout. Or ce n'est peut-être pas forcément vrai, hein. C'est ce que vous allez ressentir. Aussi, vous aurez du mal à vous discipliner intérieurement. Donc, au niveau personnel, vous vous sentirez assez déstabilisé. Et c'est surtout parce que vous allez avoir une baisse d'estime de vous-même que vous aurez cette déstabilisation. Alors ensuite, au niveau familial, nous avons la carte de l'étoile inversée. Donc même inversée, cette carte est une très bonne carte. Et au niveau familial, on peut penser que vous serez bien entouré, vous serez soutenu, on vous laissera tranquille en même temps dans vos idées, dans vos pensées, et vous pourrez vous ressourcer tranquillement auprès de votre famille durant le courant de l'été. C'est aussi une carte de guérison intérieure, donc si vous avez une petite baisse d'estime de vous-même, eh bien, vous allez pouvoir vous laisser aller, vous relâcher un petit peu et essayer de guérir cela en vous. Vous aurez du mal à apprécier quand même toute cette tranquillité autour de vous et c'est toujours à cause de votre 9 de denier inversé pour le côté personnel qui aura tendance à vous faire voir les choses de manière plus négative qu'elles ne le sont réellement, puisque réellement avec la carte de l'étoile au niveau familial ça se passe bien. Par contre, l'association du 9 des deniers inversés et de la carte de l'étoile inversée peut m'indiquer ici aussi que vous aurez du mal à parler de vous-même, vous dévoiler. Mais tout ça, ça reste vraiment des sensations intérieures plutôt que ce qui va se passer vraiment extérieurement. Au niveau social, j'ai le cavalier des coupes inversé. Donc au niveau social, ce sera tout l'un ou tout l'autre. Cette carte du cavalier des coupes inversée annonce soit un conflit intérieur qui prend de l'ampleur, c'est-à-dire votre baisse d'estime de vous-même, votre manque de confiance en vous, le fait de voir peut-être des projets s'éloigner qui ne se concrétisent pas assez vite, eh bien ce côté-là pourrait se renforcer. D'un autre côté, là où vous n'osez peut-être pas vous exprimer avec des proches, dans un contexte plus large, plus social, amical, vous aurez au contraire tendance à vouloir vous faire entendre.
mais aussi peut-être de prendre des choix. Car cette carte du cavalier des coupes, c'est aussi le devoir de faire un choix qui n'est peut-être pas toujours facile. Et je pense que ça concerne plus le domaine amical ici plutôt que des relations avec des administrations ou des institutions, puisqu'on a une carte des coupes, donc qui est plus liée à des sentiments qu'à des affaires matérielles. Au niveau professionnel, nous avons la carte du 5 des bâtons qui annonce une certaine évolution au niveau professionnel. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez en train d'être dans la création de projets ou si vous avez un emploi déjà existant, il y aura une évolution. Alors ça n'ira peut-être pas encore assez vite pour vous, malgré que les cartes de bâton sont quand même des cartes d'énergie assez rapides, mais il est vrai que vous êtes en chemin de vie 8, et que vous avez tendance à voir les choses déjà finies avant de les avoir commencées, que vous êtes très dans la concrétisation, dans la matière de ce que vous avez dans l'esprit, et que vous aimeriez voir les choses finies rapidement. Et je vous disais tout à l'heure que vous avez l'impression que la fin de votre projet ou le poste que vous souhaitez n'arrive pas, que c'est trop long, que vous n'en voyez pas le bout, eh bien c'est un peu dans cet esprit-là. Donc il y a quand même une évolution autour de vous, mais c'est pas encore assez rapide pour vous. Donc essayez d'être un peu patient quand même, profitez de la carte de l'étoile avec votre famille pendant cette période de l'été et laissez faire, laissez aller, hein, parce que avec cette carte du 5 des bâtons au niveau professionnel, ça va bien se passer, il y a une évolution qui est en train de se faire, laissez-la faire. Il est normal que cela vous apporte quelques inquiétudes, mais à mon avis, il n'y a rien de mauvais là derrière. Ensuite, au niveau sentimental, j'ai tiré pour vous la carte du 8 des coupes. Alors, la carte du 8 des coupes n'apparaît jamais comme une très bonne carte parce qu'elle est un peu sombre d'abord et puis parce qu'on voit un personnage qui a étalé devant lui là ce qu'il a, ses 8 coupes, et il s'en va. Il s'en va à la recherche de la coupe qui manque, puisque vous voyez dans l'étage du dessus, on a 3 coupes avec un trou au milieu. On voit bien qu'il manque quelque chose à cet endroit-là. Et on peut supposer donc que notre personnage s'en va à la recherche de cette fameuse coupe. Les coupes, évidemment, sont directement liées au côté sentimental. Donc, on peut penser que le personnage s'en va chercher son âme sœur. Pourquoi pas? Donc, ça, c'est finalement positif pour les personnes qui sont célibataires, puisque la période de l'été sera donc propice à aller à la recherche de la personne qui vous conviendrait parfaitement. Pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien, cette carte peut avoir une double signification. D'un côté, elle peut signifier que vous aurez peut-être envie d'un petit éloignement par rapport à votre partenaire, que vous aurez besoin de vous isoler un peu pour vous remettre en question, peut-être pour réfléchir sur ce qui manque dans votre relation, ce qui pourrait être amélioré pour que tout soit parfait. Donc, ce n'est pas une rupture définitive, mais un éloignement. Et d'un autre côté, donc pour les personnes toujours qui sont déjà en couple, et que si vous avez beaucoup de hauts et de bas dans votre couple actuel, eh bien, cette carte montre que ça continue toujours pareil. Vous êtes toujours dans la répétition des mêmes schémas, un peu comme si vous tourniez en rond dans votre relation et que vous n'arrivez pas à faire un choix, à prendre une décision, à vous en sortir ou à trouver une certaine harmonie entre ce que vous pensez de votre relation, les sentiments que vous avez et comment cela pourrait donc évoluer. Donc un tirage général pour vous, les chemins de vie 8 qui montrent une petite instabilité personnelle avec une baisse d'estime de soi parce que vous ne voyez pas les choses bouger peut-être assez vite autour de vous. Cependant, ce n'est que la période de l'été. Forcément, il y a beaucoup de choses qui se mettent à l'arrêt autour de vous et c'est vrai que
vous qui à la base aimez bouger, aimez concrétiser des choses, vous avez l'impression de ne pas avancer pendant cette période-là. Profitez de vos moments familiaux, essayez d'être un peu plus présent plutôt que de rester enfermé dans vos idées, dans votre monde intérieur. Exprimez ce qui a besoin d'être exprimé. Laissez l'évolution en cours progresser au niveau du travail. Et au niveau sentimental, eh bien, soit vous allez tourner en rond dans votre relation, soit vous allez aller à la recherche de la petite chose, du petit piment qui manque à votre relation actuelle, ou soit vous allez aller à la recherche du partenaire idéal. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est plutôt les vibrations personnelles qui apporteront des précisions. Donc en parlant des vibrations personnelles, eh bien nous allons voir cela tout de suite. Et si vous êtes en vibration personnelle 1, j'ai tiré pour vous la carte du 8 des épées inversées qui vient renforcer un peu ici votre instabilité intérieure. Pourquoi? Parce que avec le 9 des deniers inversés, vous avez une baisse d'estime de vous-même, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, qu'elles ne sont pas aussi parfaites que vous le voudriez, vous ne vous sentez peut-être pas parfait, et avec ce 8 des épées inversées, on voit que ça pourrait tourner carrément à l'obsession. Vous êtes trop centré sur vous-même, je dirais, à cette période-là, et il faut vraiment vous ouvrir, il faut regarder autour et voir que les choses sont pas si mal que ça, mais vous aurez du mal à le faire car vous serez vraiment dans cet enfermement personnel, dans vos pensées, dans tout ce que vous pouvez ruminer et la sensation surtout de ne pas pouvoir avancer ou que ça n'avance pas assez vite. Alors au niveau familial avec l'étoile inversée, eh bien c'est pareil, hein. En fait, votre intérieur va tellement vous prendre que vous passerez des bons moments en famille. La carte de l'étoile reste une très bonne carte. Mais vous ne serez pas vraiment là, vous aurez l'esprit ailleurs, vous ne profiterez pas à fond des moments en famille, c'est un peu dommage. Donc le conseil ici serait d'enlever le bandeau, d'essayer de voir que les choses sont pas si mal que ça autour de vous. Au niveau social, c'est-à-dire pas le cercle familial, mais vraiment les amis, le cercle amical plus élargi, les connaissances en général, eh bien là où le cavalier des coupes vous invite à dévoiler, à dire des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de dire, et aussi de faire un certain choix, eh bien, on peut penser qu'au niveau de ce choix, vous n'arriverez pas à le faire, ou vous n'arriverez pas à vous exprimer correctement comme vous le voudriez. Et cela, pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, avec ce 8 des épées, vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont, et vous préférez rester enfermé sur vous-même dans un monde peut-être d'illusions ou de rêves. Peut-être avez-vous eu des relations amicales qui vous ont beaucoup tenu à cœur et qu'une de ces personnes vous aurait trahi, par exemple, et vous refusez de le voir tout simplement. Vous ne voulez même pas le croire que cette personne aurait pu faire ça. Enfin, c'est pour donner un exemple, hein, pour que vous voyez ce vers quoi je veux en venir. Au niveau professionnel, 8 des bâtons inversés, 8 des épées inversées, 5 de bâtons montrent bien qu'il y a une évolution et que bientôt, justement, vous allez vous sentir libéré, vous allez bientôt sentir que vous allez pouvoir avancer. Pour l'instant, le 5 des bâtons montre l'évolution, le 8 des épées inversées, le personnage reste fixe, laissez faire l'évolution, attendez-la au bon endroit et bientôt vous allez pouvoir avancer. Soyez encore un peu patient, les choses vont se débloquer, hein, il n'y a pas de raison. Au niveau sentimental, eh bien, on peut penser que vous êtes un peu confus par rapport à votre relation amoureuse. Et comme vous avez peut-être une petite baisse d'estime de vous-même, il est possible que vous ne vous sentiez pas à la hauteur de votre relation ou que vous ayez une obsession sur le fait qu'il manquerait quelque chose
dans votre relation actuelle qui fait que pour vous, vous avez l'impression que ça bloque, que ce n'est peut-être plus aussi magnifique que c'était au début, et donc vous allez peut-être aller à la recherche de la petite étincelle qui manque à votre couple actuel. Si vous êtes dans une relation qui est un peu difficile, vous allez ouvrir les yeux sur ce qui se passe et peut-être effectivement prendrez-vous la décision de quitter cette relation qui ne vous apporte pas entière satisfaction. Alors, si vous êtes maintenant en vibration personnelle 2, j'ai tiré pour vous la carte de la reine des bâtons. Alors, on est dans une énergie complètement opposée à la carte du 9 des deniers inversés pour le côté personnel, puisque cette reine des bâtons est un personnage stable, satisfait, qui sait ce qu'elle veut, qui dirige tout le monde. Et donc, j'aurais envie de vous dire que pour vous, au niveau personnel, l'association Reine des Bâtons et 9 des Deniers inversés va surtout vous axer sur l'impatience. Vous n'aurez pas la patience d'attendre, vous n'aurez pas la patience d'écouter. Par contre, vous devriez trouver un équilibre entre l'esprit et la matière, donc ce qui est très très bien puisque vous êtes en chemin de vie 8, puisque la reine des bâtons est une carte très terre à terre, très physique, et que le 9 des deniers est normalement une carte très terre à terre, très matérielle, sauf qu'elle est à l'envers, cette carte du 9 des deniers, donc un équilibre possible entre l'esprit et la matière, qui fait que vous devriez vous sentir un peu mieux, on va dire que le reste des autres chemins en 8. Vous devrez au niveau familial avoir l'impression que tout dépend de vous. C'est vous qui allez fortement prendre les décisions concernant les activités de la famille, des enfants. Vous allez profiter des bonnes choses avec eux. Vous saurez en fait trouver votre place dans la famille sans être trop la tête dans les étoiles justement, mais tout en gardant votre équilibre, votre connexion avec les autres, avec ce qu'ils ont envie. Et même si c'est vous qui imposerez les choses, je pense que vous les imposerez en fonction aussi de ce que tout le monde aimerait faire de manière à faire plaisir à chacun. Au niveau social, eh bien, si vous avez un choix à faire par rapport à certaines personnes, si vous avez des choses à dire, eh bien, vous allez le faire et vous allez les dire. Alors attention, la reine de bâton, elle dit ce qu'elle pense, mais en même temps, elle ne se laissera pas toucher par ce que les autres penseront en retour. Donc vous pourriez paraître insensible ou méchante, ou méchant, parce que je dis méchante parce que c'est une reine, mais ça peut concerner les hommes, en fonction donc des situations et de ce que vous allez dire ou faire pendant cette période de l'été, donc avec le cercle amical et les personnes de manière générale. Au niveau professionnel, alors vous avez un certain équilibre intérieur, nous l'avons vu, avec la reine des bâtons et le 9 des deniers inversés. Vous savez équilibrer l'esprit et la matière, vous êtes quand même impatient, il y a une évolution autour de vous, mais vous allez regarder cette évolution se faire, vous allez apprécier cette évolution qui se fait comme un soulagement, comme quelque chose d'attendu depuis un moment. Vous ne verrez pas encore la finalité de cette évolution pendant cette période d'été, mais elle sera très très proche, soit pour la fin de l'été, soit pour le début de la rentrée, la période suivante. Au niveau sentimental, eh bien, si vous partez à la recherche de votre âme sœur, à la recherche d'un grand amour, eh bien, c'est avec une certaine stabilité que vous allez le faire. Vous allez chercher une relation durable, une relation concrète. Ça ne restera pas dans le domaine du rêve. Vous allez vraiment vous mettre à la recherche de la bonne personne. Si vous êtes déjà en couple et que votre but est d'amener un petit plus à votre relation actuelle pour la pigmenter à nouveau, c'est avec bienveillance que vous allez faire cela et vous allez vraiment apporter dans votre relation
tout ce qui peut amener le plaisir physique, le bien-être en couple, offrir des cadeaux peut-être à votre partenaire. Donc c'est plutôt pas mal au niveau sentimental. Si vous êtes maintenant en vibration personnelle 3, j'ai tiré pour vous la carte du 3 des coupes. Alors au niveau personnel, intérieur, la carte du 3 des coupes, c'est une très bonne connexion avec des énergies supérieures. C'est beaucoup de créativité, d'imagination, d'intuition et la possibilité, comme vous êtes en chemin de vie 8, justement, d'amener ces intuitions par la suite dans la matière. Vous aurez, avec la carte du 9 des deniers inversés, un peu de mal à gérer tout ça et à savoir ce que vous allez devoir en faire. Au niveau familial, la carte du 3 des coupes, c'est la carte aussi de la famille, le chiffre 3 évidemment. C'est la carte qui montre que vous serez bien dans votre cercle familial, que avec l'étoile inversée, peut-être les choses se dérouleront pas exactement comme vous les aviez prévues, mais malgré tout, ce sont des bons moments qui se profilent à l'horizon, donc pas de souci de ce côté-là. Au niveau social, avec le cavalier des coupes inversé, indique que si vous devez avoir des discussions ou avoir besoin de vous faire entendre dans votre cercle social, eh bien, ça va se faire quand même plutôt dans la joie, ça va se faire plutôt au moment de réunion, de fête entre amis, et que ce que vous direz devrait bien passer, ce sera de manière générale bien accueilli par vos amis, parfois un peu de franchise, peut ramener quelque chose de bien aussi dans les relations sociales. Au niveau professionnel, je ne sais pas si ça vaut le coup d'interpréter, hein, parce que l'évolution du 5 des bâtons avec ces personnes qui lèvent leur coupe d'un air de dire que c'est déjà dans la poche, que c'est déjà gagné, c'est une évolution très propice. Une évolution que vous attendez depuis longtemps et qui va certainement être réalisée, atteinte avant la fin de l'été. Vous allez lever les coupes de champagne. Au niveau sentimental, eh bien, si vous partez à la recherche d'une relation sentimentale, vous allez rencontrer quelqu'un, mais en même temps, la carte du 3 des coupes est à double tranchant. Je ne peux pas vous dire si vous allez rencontrer donc la personne idéale et fonder une famille, puisque le 3 des coupes, c'est aussi une carte de famille, ou si au contraire, vous allez rencontrer quelqu'un juste pour passer du bon temps et vous amuser. Il faudrait tirer d'autres cartes et il faudrait voir avec votre cas personnel, évidemment. Si vous êtes déjà en couple et que vous cherchez à compléter ou à ranimer une flamme dans votre couple, eh bien, il n'y a pas de souci, hein, ça va se faire, vous allez y arriver. Et la période de l'été, même si vous vous retranchez un petit peu intérieurement, eh bien, cette flamme est là, elle sera ravivée, vous passerez de bons moments en couple. Alors, si vous êtes en vibration personnelle 4, j'ai tiré pour vous la carte du 9 des épées inversée. Donc, cette carte a pour signification à la base de sortir d'une période qui a pu être douloureuse, de pouvoir enfin tourner une page tout en donnant un sens à tout ce qui a été vécu auparavant. Alors au niveau personnel, si vous avez une baisse d'estime de vous-même, c'est probablement dû à tout ce que vous avez vécu, aux actions, aux paroles que vous avez eues qui vous déstabilisent intérieurement, qui vous obligent un peu à vous remettre en question et qui va vous obliger quelque part à aller vers l'acceptation de certaines choses, peut-être une acceptation de ce que vous êtes. On a ici deux cartes neuves qui annonce dans tous les cas que vous arrivez à la fin d'un trouble intérieur. Donc c'est quand même plutôt pas si mauvais que ça. Au niveau familial, eh bien vous allez à la fois être dans votre monde intérieur, dans vos rêves, la tête dans vos projets futurs, tout en ne sachant pas encore bien
comment vous allez faire, comment vous allez agir, et vous allez plutôt profiter des moments familiaux pour vous reposer et essayer de vous ressourcer un petit peu. Au niveau social, alors si vous aviez des ennuis avec des administrations, des institutions quelconques, eh bien il y a de fortes chances pour que lors de cette période d'été, il y ait une accalmie ou que vous vous sortiez de situations difficiles. Au niveau professionnel, on a une évolution professionnelle avec le 5 des bâtons et ce 9 des épées inversées montre que vous avez des doutes, mais en même temps, vous êtes content de voir que c'est en train d'évoluer parce que peut-être que financièrement, vous allez pouvoir sortir aussi d'une situation difficile. Donc au niveau professionnel, c'est pas mal non plus. Et enfin, au niveau sentimental, il est un peu difficile d'associer cette carte du 9 des épées inversées avec le 8 des coupes. Néanmoins, on pourrait dire que vous acceptez qu'une relation qui ne vous convenait pas finalement complètement puisse se terminer, même si ça vous fait mal intérieurement. Vous savez quelque part que la fin de cette relation est bonne pour vous, qu'il faut passer par là. Si vous partez à la recherche, par contre, d'une relation, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui sache guérir vos blessures, qui sache combler quelque chose qui manque en vous. Si vous êtes en vibration personnelle 5, j'ai tiré pour vous la carte du 2 des coupes inversées. Pour vous, au niveau personnel, ce 2 des coupes inversées donne l'impression que vous aurez du mal à trouver cette estime de vous-même, que vous aurez du mal en fait à équilibrer vos propres énergies. Vous serez tantôt dans un extrême plus féminin, tantôt dans un extrême plus masculin. Vous aurez du mal à faire le lien entre les deux. Et dans votre chemin de vie 8, dans lequel vous devez réunir l'esprit et la matière, eh bien vous aurez du mal à savoir comment faire, comment vous y prendre. Vous serez beaucoup dans votre dualité intérieure, si vous voulez. Au niveau familial, ça annonce que vous aurez du mal à profiter des bons moments en famille. Vous ne saurez peut-être pas être juste dans les besoins des uns et des autres. Vous aurez peut-être du mal à voir les priorités de chacun et aussi à trouver votre propre place pendant cette période-là. S'il y a des troubles actuellement au niveau familial, donc dans votre entourage proche, il est possible que pendant cette période de l'été, vous ayez des discussions avec une personne, une mise au point, le besoin de rééquilibrer une relation avec une personne en particulier. Mais dans l'ensemble, c'est surtout votre propre équilibre que vous aurez du mal à trouver au sein de l'ambiance familiale. Au niveau social, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas aussi importantes que vous le pensez dans votre vie et que si vous avez un choix à faire pour écarter certaines personnes, eh bien, ce sera le bon moment pour le faire. Ce sera le moment de faire un tri dans vos relations et de voir un peu les personnes qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que vous. Au niveau professionnel, nous avons vu avec le 5 des bâtons qu'il y a une évolution dans votre travail, dans votre projet. Il peut y avoir également de la concurrence. Et je pense ici à la concurrence avec le 2 des coupes, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une association, puisque le 2 des coupes est inversé, mais plutôt d'une rivalité peut-être pour obtenir un travail ou pour obtenir une évolution d'un poste, vous serez peut-être en concurrence donc avec quelqu'un dans l'évolution de ce travail. Si par contre vous envisagez une association avec une personne en particulier pour un certain projet que vous avez, cette carte du 2 des coupes étant inversée vient ici nous dire que ce n'est peut-être pas le bon partenaire avec lequel vous associez, qu'il risquerait d'y avoir par la suite de la rivalité entre vous.
Au niveau sentimental, alors si vous êtes déjà en couple, il se peut que vous vous rendiez compte que votre partenaire, la relation que vous avez avec votre partenaire, n'est peut-être pas aussi idéale qu'elle ne vous le semblait au départ. Et vous allez vous rendre compte qu'il manque quelque chose dans cette relation. Alors soit vous allez en discuter avec votre partenaire et vous allez rééquilibrer les choses en réfléchissant sur ce que vous pourriez apporter ensemble dans la relation. Si vous êtes en train de quitter une relation ou si vous allez retrouver une personne que vous aviez perdue il y a quelque temps, eh bien cette carte du 2 des coupes à l'envers peut signifier que de vieilles blessures pourraient se rouvrir. Et même chose si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'âme sœur, eh bien peut-être que vous n'êtes pas encore vraiment prêt à rencontrer quelqu'un et avoir une relation durable parce que vous êtes encore trop blessé intérieurement. Alors, si vous êtes en vibration personnelle 6, j'ai tiré pour vous la carte du cavalier des deniers. Donc, on se retrouve avec deux cartes de deniers pour le côté personnel qui sont plus ou moins opposées l'une à l'autre puisque le 9 des deniers montre que vous manquez de discipline et que vous allez être plus tourné sur la spontanéité. Le cavalier des deniers, lui, vient nous parler d'être passionné. Donc vous allez peut-être intérieurement lâcher une certaine spontanéité vers une passion que vous avez, mais en même temps vous allez retenir cette spontanéité parce que vous n'êtes pas une personne à prendre des risques inutiles. Et on voit bien d'être capable de recevoir beaucoup d'intuition, que vous êtes capable d'écouter votre intérieur et que vous êtes capable de réaliser ces choses reçues intérieurement dans le monde physique, dans la matière. Donc vous serez un peu pris entre deux feux intérieurement, entre ce qui est bien de faire et ce qui doit être fait. Au niveau familial, vous allez donner plus d'attention à tout ce qui est physique, les activités, l'organisation même des vacances. Tout cela, évidemment, en essayant de limiter le maximum de risques, aussi bien physiques que financiers. Donc vous allez, avec l'étoile inversée, ne pas être trop dans le laisser-aller. Vous allez vous maîtriser quand même assez fort pendant cette période-là au niveau familial. Au niveau social, on a l'opposition de deux cavaliers, l'un concernant le côté matériel, l'autre concernant le domaine plutôt relationnel sentimental, l'un étant à l'endroit et l'autre à l'envers. Ça indique que vous aurez des hauts et des bas certainement avec votre cercle social ou avec des administrations pour lesquelles ces dernières, si vous avez des comptes à régler, eh bien vous aurez l'énergie pour le dire haut et fort, pour remettre les choses en place et stabiliser donc votre situation par rapport à ces administrations. Vous retrouverez ainsi une certaine stabilité puisque vous êtes guidé par ce cavalier des deniers. Donc c'est plutôt quand même une bonne chose. Au niveau professionnel, eh bien, vous allez vers une évolution avec le 5 de bâton, une évolution positive ici dans laquelle il n'y aura pas trop de concurrence. Vous voyez cette évolution quand même d'un bon œil puisqu'elle va vous permettre de travailler dans quelque chose que vous aimez, de travailler de manière régulière. Et que même si dans l'immédiat cela ne vous rapporte peut-être pas encore grand-chose, vous êtes en train de préparer, on va dire, le terrain pour peut-être améliorer vos finances par la suite. Au niveau sentimental, nous sommes ici en présence d'un personnage qui a envie de construire quelque chose de solide, qui va vraiment partir à la recherche de ce qui manque dans la relation existante pour combler ce manque au niveau de la relation, pour apporter une stabilité définitive à cette relation.
Si vous n'êtes pas encore en couple, eh bien, on voit que vous êtes vraiment à la recherche d'une personne stable, d'une relation concrète, de quelque chose de sérieux et pour lequel vous souhaitez que ça dure vraiment dans le temps. Si vous êtes en vibration personnelle 7, j'ai tiré pour vous la carte du valet des deniers. Alors ici, on a un 9 des deniers qui nous parle de baisse d'estime de soi et un valet des deniers qui s'admire fièrement dans son miroir. Donc c'est assez contradictoire, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc le sens d'interprétation de ces deux cartes va annuler quelque part cette baisse d'estime de vous-même. Vous ne devriez donc pas trop en souffrir et nous allons donc diriger l'interprétation dans un sens plus large dans lequel le 9 des deniers montre que vous donnez quand même beaucoup plus d'importance à la spontanéité, aux idées qui viennent d'en haut, aux intuitions et ce valet des deniers qui est un personnage qui relie concrètement les pensées à la matière. On est vraiment dans votre chemin de vie 8 dans lequel vous laissez place aux intuitions, aux idées qui vous arrivent pour les concrétiser, avoir envie de les concrétiser dans la matière. Donc intérieurement, pendant cette période d'été, on peut dire que vous allez vivre pleinement votre chemin de vie 8. Au niveau familial, on peut dire que vous serez peut-être dans la contemplation de ce qui se passe autour, que vous allez vous retrouver vous-même, vous allez prendre un temps de repos pour vous recentrer sur vous, retrouver vos besoins, retrouver aussi votre place au niveau de la famille. Au niveau social, eh bien pareil, vous trouvez votre place au niveau social, vous vous positionnez, vous êtes capable d'avoir vos propres réflexions, vos propres opinions et avec le cavalier des coupes inversées, vous êtes tout à fait capable de les exprimer en société. Au niveau professionnel, vous voyez cette évolution d'un très bon œil. Vous êtes déjà capable d'anticiper ce que cette évolution va vous apporter au niveau personnel. Et vous risquerez peut-être même d'être fasciné de voir les tournures que prennent les événements parce que ce sera peut-être dans un sens que vous ne vous attendiez pas. Mais en tout cas, ce sera dans un très bon sens pour vous. Vous n'aurez qu'à tendre les mains comme ce personnage-là, je dirais presque pour que ça vous tombe du ciel. Et enfin, au niveau sentimental, eh bien, vous avez vraiment envie d'apporter ce petit plus dans votre couple. Vous avez envie d'apporter quelque chose qui va rendre la relation plus concrète, plus solide, de manière à pouvoir vous y retrouver totalement, entièrement dans cette relation. Si vous n'êtes pas encore en couple et que vous partez à la recherche avec le 8 des coupes d'un partenaire idéal, ça serait difficile d'interpréter avec le valet des deniers. La seule chose que je pourrais dire, c'est que vous avez envie de partir à la recherche de votre miroir, de vous-même, de votre âme sœur. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble énormément. Si vous êtes en vibration personnelle 8, j'ai tiré la carte du 10 des deniers inversé. Donc pareil pour vous, nous avons deux cartes de deniers pour le côté personnel, deux cartes cependant qui sont inversées et là où vous perdez un peu de votre estime de vous-même avec le 9 des deniers inversé, eh bien avec le 10 des deniers, vous vous rendez compte aussi que vous avez un plein potentiel qui n'est absolument pas complètement utilisé. Donc vous perdez un peu confiance en vous parce que vous n'arrivez pas à utiliser tout votre potentiel. Donc ce sera un changement d'attitude pour vous, pour cette période de l'été, puisque vous avez l'habitude quand même d'être dans la matière. Et là, vous allez en quelque sorte vous en détacher. Au niveau familial, cela aura aussi des répercussions, puisque vous allez oser faire des choses peut-être en famille ou vivre des expériences complètement nouvelles que vous n'osiez peut-être pas avant, mais que vous vous sentez prêt à essayer maintenant. Donc ça peut annoncer des moments inattendus en famille.
et surtout une certaine légèreté dans vos relations avec vos proches. Au niveau social, vous ne serez pas tellement sur vos gardes. Si de nouvelles relations amicales se mettent en place, vous allez les accueillir sans trop vous poser de questions, puisque vous serez dans cet esprit d'avoir envie de faire des choses nouvelles, donc de peut-être aussi rencontrer des personnes nouvelles. Et il se peut même que ce soit vous qui alliez vers des personnes plus inconnues, puisque le cavalier des coupes va vous pousser plus dans l'action. Au niveau professionnel, vous allez peut-être prendre des risques un peu financiers pour faire évoluer votre situation, et c'est peut-être vous en effet qui allez donner ce petit coup de pouce pour que cette évolution puisse se faire. Au niveau relationnel, eh bien, vous avez tout simplement envie d'amener de nouvelles aventures et de nouvelles expériences dans votre vie. Vous aurez envie de prendre un peu de risque pour ranimer peut-être une petite flamme au niveau du couple. Et si vous n'êtes pas en couple, eh bien, vous aurez envie de vivre des expériences nouvelles, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir des relations différentes. Peut-être d'avoir plusieurs relations durant votre été, parce qu'en fait, vous partez à la recherche d'une relation, mais vous ne savez pas encore vraiment bien ce que vous recherchez. Et si vous êtes en vibration personnelle 9, pour terminer, j'ai tiré encore une carte des deniers aussi, qui est celle du 4 des deniers. Donc, même chose pour vous, puisque cette carte est à l'endroit. On est en plein dans votre chemin de vie 8, pour lequel vous amenez des intuitions, vous amenez de la spontanéité et vous les concrétisez dans la matière avec ce 4 des deniers. Donc, vous amenez l'esprit dans la matière, c'est tout à fait ce qu'on vous demande dans votre chemin de vie. Vous vous sentirez plutôt stable intérieurement, plutôt tranquille, même si intérieurement vous aurez l'impression de ne pas être tout à fait ajusté. Vous saurez contrôler quand même vos émotions, vos ressentis, pour vous sentir stable dans l'ensemble. Au niveau familial, eh bien, pendant cette période de vacances, vous allez quand même faire attention à votre côté financier. Vous allez quand même dépenser de l'argent pour votre famille dans un contexte raisonnable qui ne viendra en tout cas pas déranger votre équilibre financier. Vous saurez dépenser ce qu'il faut quand il le faut, tout en faisant plaisir donc aux membres de votre famille. Au niveau social, si vous avez des conflits avec certaines personnes, si vous remettez des points sur les i, si vous avez des choses à dire, vous allez le dire de manière claire. Vous allez peut-être poser des limites à certaines personnes, de manière à ce qu'elles ne viennent peut-être plus troubler trop votre vie privée. Et il est temps de le faire, parce que c'est peut-être des personnes qui vous envahissent depuis quelque temps et que vous saviez peut-être pas trop comment leur dire. Ça ne se fera pas dans la bagarre ni la méchanceté, hein, puisqu'on est quand même sur une carte des coupes avec le cavalier des coupes, mais ce qui devra être dit sera dit, remettra les choses en place et permettra à votre relation amicale de repartir sur de bonnes bases. Au niveau professionnel, on est sur de très bonnes bases aussi et vous voyez une évolution au niveau professionnel d'un très bon œil, puisqu'elle va venir renforcer votre stabilité financière et vous permettre de poser de nouvelles bases pour l'avenir. Et on retrouve cette stabilité, cette force intérieure et cette générosité de cœur dans le côté sentimental, puisque cette carte du 4 des deniers va venir stabiliser une relation qui est en cours. Et si vous êtes célibataire et que vous cherchez à construire une relation, eh bien on voit que vous savez exactement ce que vous cherchez, donc vous ne partez pas dans une quête vaine, puisque quand on sait ce que l'on recherche, il y a de fortes chances pour qu'on le trouve. Voilà donc ce que vous réservent les énergies pour cet été, pour vous si vous êtes en chemin de vie 8. Je vous souhaite un très bel été, profitez-en, reposez-vous et je vous retrouve très bientôt pour un autre tirage spécial pour une autre période. Bel été à tous, à bientôt.